Ahmel, on va essayer de parler en français pour nos éditeurs qui sont à l'écoute. Et on va parler de ton festival, Kamel, qui s'intitule Panorama International Short Film Festival. C'est un festival qui s'occupe des films de court-métrage et c'est la 9e édition qui va venir en 2024. Et aujourd'hui, c'est un événement pour ce festival, c'est-à-dire vous lancez l'appel à candidature, donc vous demandez aux cinéastes d'inscrire leur film. Peux-tu nous parler de cet événement? Ok, Mohamed, comme vous avez dit qu'aujourd'hui, un grand événement, c'est l'appel candidature de notre festival Panorama International Short Film Festival. C'est 9e édition en 2024 qui se déroulera du 6 au 10 février 2024 à Tunis, à la Cité de la Culture. Nous avons ouvert la candidature sur le site www.filmfreeway.com/PCC Tunisie. Nous acceptons les films fiction, les films documentaires, les films animation et aussi les films étudiants. Les films ne dépassent pas 26 minutes. C'est ça. Et de préférence que les films ne seront pas diffusés avec autres festivals. Très bien. C'est-à-dire les autres festivals tunisiens. D'accord. Et donc, vous demandez que les films soient produits entre 2022 et 2023, bien sûr. Oui, exactement. C'est en cherchant les films en 2022 et 2023. Voilà, c'est ça. J'aimerais que les cinéastes, enfin, les cinéastes à Paris et Marseille qui nous écoutent sur Radio Soleil, vous pouvez inscrire vos films sur www.filmfreeway.com/PCC Tunisie. Et le dernier délit, ce sera le 30 septembre 2023. Très bien, donc la date d'inscription donc, commence aujourd'hui et se terminera le 30 septembre 2023. Donc on va dire bonne chance à tout le monde, à tous les cinéastes et on relance l'appel pour les cinéastes issus de l'immigration, surtout les jeunes maghrébins ou autres qui veulent participer Oui. à ce festival. Oui. Oui, exactement. L'appel candidature se tient pour les cinéastes maghrébins, cinéastes francophones, français, les habitants en France et tout. Vous êtes les bienvenus au Festival Panorama, sachant que Mohamed, la dernière édition, il y a un vainqueur film étudiant français qui a été retenu. C'est le film Le jour où j'ai grandi de réalisateur C'est un film production dans une école de cinéma en France. Très bien, Kamel. Donc, on rappelle le site où il faut s'inscrire. C'est www.filmfreeway.com/PCC Tunisie. Donc, si vous avez un petit film qui dort dans un tiroir quelconque, n'hésitez pas de l'inscrire et le ramener en Tunisie pour participer à cette 9e édition du Panorama International Short Film Festival qui se déroulera du 6 au 10 février 2024, mais l'inscription donc commence aujourd'hui jusqu'au 30 septembre. Merci Kamel de ta participation. Est-ce que tu as un souhait encore à dire à nos auditeurs? Bon, juste un dernier mot, vous pouvez nous contacter sur notre page officielle Facebook Panorama International Short Film Festival sur Facebook ou sur notre Instagram et on a un infoline sur notre numéro WhatsApp. Très c'est bien. 00216 56 19 19 18. Je répète, 00216 56 19 19 18.
18. Et Ça, c'est Melro. les mails, on peut vous Oui. écrire aussi, c'est pccctunisie@gmail.com. Voilà, donc j'espère qu'on a donné toutes les informations nécessaires pour inscrire un film à ce festival. Merci Kamel et bon vent pour ce festival. Merci Mohamed, merci à toute l'équipe de Radio Soleil. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà donc Noël, c'était notre entretien de ce matin concernant ce petit festival qui a maintenant 9 ans, donc ça devient un festival adulte. Voilà donc bon vent à ce festival.